Yeah! Souvent, la peur de l'échec peut être une source de démotivation, no man, qui nous empêche de réaliser nos rêves. Motivation venir, mais sera-t-elle la plus d'une nuit? Je veux tout faire pour le retenir, car sans fin, je veux voir mes projets aboutir. J'en ai assez de m'auto-nuire, mais serais-je de taille ou vais-je fuir encore? Ce moment de grâce, au moins phénoménal, quand tu es lancé que la chance nomenade, est toujours coupé par la crainte de ne pas y arriver. Le taf à faire pour y pallier les signes de son pied poilié. On se bat tous contre les doutes ou on les falsifie, mais quand je prends le temps de m'écouter, je ne suis pas si fier. 2016 est l'année de la remise en question. Que je n'ai rien mérité. En fait, j'aimerais pouvoir changer d'équipe et intégrer ceux qui font tout pour réussir dans la vie. Ouais, moi, j'aimerais faire partie de ceux qui font les choses, ceux qui tentent le tout pour le tout, travaillent sans faire de pause. Mais la vie m'a donné la carte de la peur de l'échec. Je ne peux qu'admirer ceux qui savent jouer avec. Donc j'ai décidé, je prends le temps de travailler pour moi, de me réparer là où ça va pas. Et je sais que même si à la fin j'échoue, au moins j'aurais fait le pas. Et si je me ferme le pas, c'est que j'en ai fait le choix. Confondu espoir et illusion, confiance en soi et auto-persuasion. Malgré tout, à l'encontre de ma raison, je décide de passer à l'action. Avoir une dédicace aux hommes et aux femmes qui se battent pour réaliser leur projet concrétisé. Leur rêve est toujours misé sur la réussite, car la peur de l'échec est exorcisée. C'est sur l'envie de gagner qu'ils se sont focalisés. Moi j'ai la sensation que mes rêves ne sont qu'aberration, ma réussite une hallucination. Mais je continue quand même. J'essaie de trouver un minimum d'autosatisfaction, d'accepter toutes mes imperfections. Mais ce n'est pas sans gêne, car nombreux sont les doutes dans ma tête. Comment font-ils pour vivre avec? Il y a ceux qui échouent et ceux qui n'échouent pas. Mais moi je ne fais partie d'aucun de ces deux-là. Non, non, moi je fais partie de ceux qui font les choses, ceux qui tentent le tout pour le tout, travaillent sans faire de pause. Mais la vie m'a donné la carte de la peur de l'échec. Je ne peux qu'admirer ceux qui savent jouer avec. Donc j'ai décidé de prendre le temps de travailler pour moi, de me réparer là où ça va pas. Et je sais que même si